嗨，大家好，我是美娜。今天我们来学习形状和颜色。Bonjour tout le monde, je m'appelle Mayna. Aujourd'hui, nous allons apprendre la forme et la couleur. Avant de commencer, cette chaîne est pour t'apprendre la langue et la culture chinoise. C'est du aime ce que je fais. Merci de me donner un j'aime. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Allons-y. Pour dire la forme, ça s'appelle 形状. J'ai préparé quelques formes courantes. 形状, ça veut dire la forme. 心形心形心形 On commence toujours par le plus difficile parce que c'est deux prononciations avec G et sans G. Il n'y a pas beaucoup de différence, sauf que quand on a le G à la fin, ça veut dire il faut prononcer avec le fond du nez. OK? 心形 形Vous sentez la vibration derrière? 形et 心形心形心形心形心 ça veut dire le cœur, 形 ça veut dire la forme, OK? C'est la forme du cœur. 心形心形 Très bien. 圆形圆形圆 I U N prononce 圆圆圆形形形圆形圆形 Très bien. 方形方形 On peut aussi dire 正方形正方形 parce que c'est un carré, OK? 正方形正方形方形正方形 Très bien. 三角形三角形三角形 OK? 三角形 Parce que il y a trois angles. 三 ça veut dire trois. 角 ça veut dire les angles. 形 la forme.三角形 Très bien. 菱形菱形菱形菱形 Encore avec le G à la fin. 菱形 Si sans G c'est 菱 Avec G c'est 菱菱 Vous sentez la vibration derrière 菱菱形 Très bien. Ce sont les formes, OK? Les formes simples. Et maintenant, ce sont les couleurs. Les couleurs, c'est rouge, OK? Rouge, c'est 红色, 红色. Si c'est adjectif, on ajoute 的 à la fin, OK? 红色的, 红色的, OK?红色的，红色的quoi？红色的心形，un cœur en rouge。红色的心形，c'est le cœur en rouge。OK，红色的心形。紫色的，紫色，紫色，紫色。Voyez, ça c'est Z avec S. La différence c'est quand c'est Z.Vous sentez la vibration entre les dents, z, z. Donc, troisième ton, z, z, OK? 紫色, 紫色, si c'est adjectif, ça s'appelle 紫色的, 紫色的. Très bien. 紫色的圆形, 紫色的圆形. Très bien. 是蓝色的, 蓝色的.蓝色什么叫做 le bleu 蓝色蓝色的蓝色的 c'est adjectif 蓝色的蓝色的方形方形
包西迪哈，蓝色的正方形，蓝色的正方形。黄色，黄色，黄色 ，h on prononce， 呵，呵，呵 ，OK， on ne peut pas ignorer cette lettre， 呵 ou on， 黄，黄，黄色的，黄色，黄色。Du coup, c'est 黄色的三角形，黄色的三角形，黄色的三角形。Très bien. Le dernier, 绿色的，绿色，绿 c'est le vert， 绿色的，绿色的，绿。OK， 绿，绿，绿，绿色，绿色。绿色，绿色的，绿色的菱形，绿色的菱形 ，OK， 绿色的菱形 ，Très bien. Et maintenant nous allons faire des phrases. Par exemple, si je vous dis que c'est un café bleu, je peux dire 这是一个蓝色的正方形。Voilà, c'est une grande phrase déjà. 这是一个蓝色的正方形。这是 ça veut dire que c'est 一个 un 蓝色的 bleu 正方形 carré. OK? Donc, vous utilisez c'est doctre. 这是一个蓝色的正方形。Très bien.Et ça, 这是一个紫色的圆形。这是一个紫色的圆形。这是一个紫色的圆形。Très bien. Et ça, 这是一个红色的心形。这是一个红色的心形。这是一个红色的心形。Très bien. 这是一个黄色的三角形。这是一个黄色的三角形。这是一个黄色的三角形。Très bien. 这是一个绿色的菱形。这是一个绿色的菱形。Super! Et maintenant, on peut poser des questions. Par exemple, pour demander la couleur, je peux demander 这个心形是什么颜色的？这个心形是什么颜色的？ Ça veut dire ce cœur est de quelle couleur?OK， 这个心形是什么颜色的 ？Pour répondre, si vous débutez, il vaut mieux répondre avec toute la phrase. Comme 这个心形是红色的。OK， si tu as un niveau un peu avancé, tu peux dire 红色的 ，parce que on sait que on demande la couleur. OK， 这个心形是什么颜色的？这个心形是红色的。太阳。这个圆形是什么颜色的？这个圆形是太阳，紫色的，紫色的。OK。这个方形是什么颜色的？这个方形是蓝色的。太阳。蓝色的 ，OK。这个三角形是什么颜色的？这个三角形是黄色的，黄色的，太阳。这个菱形是什么颜色的？这个菱形是什么颜色的？这个菱形是绿色的。绿色的，太阳。
四塞部和 demander la couleur de chaque forme. Si je vous demandais les formes, je vous demandais par exemple, ce sont des cartes, cartes, ce sont des cartes.Carte pas très grande, parce qu'en français, quand on parle la carte, ça pourrait la carte du monde, la carte de plein de choses. Mais quand je dis en chinois, 卡片, ce sont des petites cartes, comme ça. Ok, 卡片, ok, 卡片. Donc maintenant, je vais te demander, 那个红色的卡片是什么形状的？那个红色的卡片是什么形状的 ？Quelle est la forme de la carte rouge? OK, 那 ça veut dire celui là, celle-là. OK, 那个红色的卡片是什么形状的？什么形状 ？OK, tu peux me répondre avec toute la phrase, c'est那个红色的卡片是心形的。那个红色的卡片是心形的。OK, si tu as un niveau un peu avancé, tu peux me répondre, 心形的，心形的，读古好。Parce que essentiel de cette question, c'est la forme. OK, pour apprendre le nouveau vocabulaire, je préfère que.Pour la première fois, tu répètes la même phrase, juste changer le mot essentiel. OK? Ensuite, 那个蓝色的卡片是什么形状的？那个蓝色的卡片是什么形状的？Je ne vous montre pas parce que vous avez déjà mémorisé. 那个蓝色的卡片是什么形状的？ Très bien!那个蓝色的卡片是正方形的。那个蓝色的卡片是正方形的。那个蓝色的卡片是正方形的。OK? 那个，那个紫色的卡片是什么形状的？那个紫色的卡片是什么形状的 ？OK? Pour répondre.那个紫色的卡片是圆形的，圆形的 ，OK。Voyez, à chaque fois, j'ajoute de parce que c'est un adjectif. Je ne peux pas dire 这个卡片是圆形 ，c'est-à-dire que la forme équivalent la carte, mais c'est pas vrai parce que la carte c'est la carte, la forme c'est la forme. La forme avec la carte, c'est spell.圆形的卡片，圆形的卡片 ，OK. Vous comprenez un peu la logique dedans? J'espère. 这个紫色的卡片是圆形的 ，OK. 这个紫色的卡片是圆形的。Très bien. 那个黄色的卡片是什么形状的？那个黄色的卡片是什么形状的？Très bien, 那个黄色的卡片是三角形的，是三角形的。那个黄色的卡片是三角形的。Très bien. 那个绿色的卡片是什么形状的？那个绿色的卡片是什么形状的？ Très bien, 那个绿色的卡片是菱形的。那个绿色的卡片是菱形的。那个绿色的卡片是菱形的。OK? 太表。Voilà, si tu aimes cette vidéo, merci de me donner un j'aime. Si tu aimes apprendre le chinois avec moi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche parce que j'ai plein de choses à vous partager dans le futur. 谢谢，再见，拜拜。